Et un matin, Minobé... Ah oui, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Minobé. Alors bref, Minobé se réveille dans une chambre d'hôtel et il se dit... Non mais qu'est-ce que je fous ici? En plus, y a une fille à côté de lui, genre je la connais pas, c'est qui cette meuf? Apparemment elle dort. Et là il se souvient et il fait « Ah oui c'est vrai la nuit d'hier ». Ce qui veut dire « Ah oui c'est vrai la nuit d'hier j'étais complètement bourré, ça y est je me rappelle, on est dans un love hotel à Shibuya ». On a baisé direct, sans capote et tout. Oui, enfin, je vais vous raconter ça aussi, mais bon, on n'en est pas encore là. Hein. Pour l'instant, c'est le premier de ces 5 jours du mois de mars. Et donc, bref, je vais dans cette salle. Oui, ce jour-là, j'étais avec un pote. Et on avait décidé d'aller voir ce concert tous les deux à Roppongi. Il est rien arrivé à Azuma du genre aventure d'une nuit comme Inobe. Non, lui il a juste traîné dans les rues de Roppongi en attendant le premier train. Mais en fait, au Live House, Azuma espérait. Enfin, il se disait en secret que peut-être... Parce qu'en fait, il y avait une fille qui devait le rejoindre au concert et il pensait avoir une chance avec elle. Mais bon, finalement la fille en question s'est jamais pointée. Rien qu'en parlant un peu avec elle dans ce cinéma, je te raconte pas les vibrations, c'était vraiment genre... Tu vois, c'est elle. C'était juste une banale histoire d'ado, un film genre ah ouais d'accord. Genre ah ouais d'accord, génial la formule. Après elle me fait, on pourrait acheter le CD et l'écouter pour voir. On pourrait acheter le CD et l'écouter pour voir. Ça arrive souvent ce genre de trip, ouais. Oui, j'avais déjà remarqué ça et du coup j'ai décidé que j'achèterais plus jamais de BO, mais bon... Ah oui, c'est subtil comme remarque, oui. Il est génial ce mec, dans le genre un peu flippé, non? Enfin, moi aussi je le suis, alors je me sens plutôt rassurée avec lui. Et puis j'ai le cœur qui bat là. C'est dingue, mais je me demande pourquoi j'ai le cœur qui bat comme ça. Oui, non, franchement, je sais pas, moi. Jusque maintenant, à chaque fois que ça m'est arrivé, le mec avait déjà une copine. Là, je me suis dit, c'est sûr, ça doit être pareil cette fois. Mais même si c'est le cas, tant pis, à l'abordage. Je sais pas, j'étais à fond sur ce coup-là. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Yuki. Et cette fille, le 20 mars, le 20 mars, c'est le premier jour de la guerre en Irak. Moi, j'avais un truc à faire à Shimoki Tazawa, donc je me trouvais à la gare de Shibuya, juste un peu avant d'arriver au portier d'accès à la ligne Makashira. Vous savez, il y a une baie vitrée d'où on voit tout le grand carrefour, le magasin Tsutaya et tout. Et à ce moment-là, j'ai entendu plein de bruit, des gens qui criaient et tout. Je me suis demandé ce que c'était et je me suis rendu compte que c'était une manif. Ouais! Donc, j'y pense! Il te reste une place! Donc, t'avais l'intention d'aller voir le film avec quelqu'un, non? Alors, ça veut dire que. En fait, excuse-moi, mais si tu pouvais me dire ton nom, ce serait super! Enfin, si tu veux pas, laisse tomber, hein! Mais, tu voudrais pas me donner juste ton nom de famille? Ou un prénom si tu veux, enfin! Y'a pas de soucis, mais bon! Moi, tu peux m'appeler Miffy! Ou un faux nom, hein. Enfin, même un pseudo, hein. Enfin, moi, je dis ça histoire de savoir comment t'appeler, hein. Et tu veux pas? Mince. Tu trouves peut-être que je crains, hein. Tu me trouves chelou, hein. Bon, comment faire, bon... Est-ce que je peux t'appeler comme je veux? Enfin, c'est juste pour maintenant, par commodité, quoi, d'accord? Ouais. Sato, ouais. Ouais, c'est ça. Sato. Imagine que t'es absolument obligé de choisir une de mes propositions. D'accord? Imagine, hein, imagine, hein. Bon, alors, choix numéro 1, tu me donnes ton adresse. Choix numéro 2, tu me donnes ton adresse mail. Choix numéro 3, tu me donnes ton numéro de portable. Enfin, un fixe, c'est bon, je prends aussi, hein. Évidemment, c'était la première fois que je participais à une manifestation au Japon, mais j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment intéressante. Ou plutôt, je me disais, l'essentiel, c'est là-dedans. Dans ce...
Ouais, tu vois, à mon avis, quoi. Tu piges ce que je veux dire, je suis bourré ou quoi? De toute façon, c'est pas clair ce que je dis. Et au moment où j'ai dit ça, elle me fait... Si, je comprends. Alors là, je me suis dit... Ah ouais, cette fille, peut-être qu'elle pige ce que je veux dire. Ouais, c'est sûr, puisqu'elle vient à des concerts comme ça. Normal, elle doit être capable de ressentir quelque chose. Sinon, elle serait même pas au courant qu'il y a ce concert. À ce moment-là, tu vois, j'avais comme un genre de conviction intérieure. Pourtant, Shibuya, j'y vais tout le temps, même si c'est juste pour changer de train. Mais... ces 5 jours-là, c'est un Shibuya spécial. Différent d'habitude et je me demandais comment ça se faisait. Pourquoi j'avais cette impression, c'était comme si on était en voyage. Un voyage à l'étranger. Quand il y a eu le tremblement de terre de Kobe, j'étais en seconde. Et je me demandais ce que je foutais là à écouter un cours de merde. J'avais vraiment l'impression d'être un gros nul. Ouais, je me suis vraiment demandé ça. Je viens de me rappeler, là, c'est ouf. Ah ouais? Quand il y a eu la guerre en Irak, j'avais 25 ans, et je me demandais ce que je foutais dans ce love hotel, à baiser comme une merde. Ah bon? Non, écoute, pas comme une merde. Et puis elle a dit, on est à Shibuya, mais c'est comme si j'étais dans une ville étrangère. C'est top. Minobe a fait, ah, c'est vrai? Et puis, il a dit... Non, mais ouais, moi aussi, ouais, je comprends. Enfin, là, ils étaient déjà rentrés à l'hôtel. La fille a dit... Tu trouves pas ça super? Et Minobe a fait... Si, non, sérieux, c'est cool. Ce qu'on fait en ce moment, c'est super marrant, mais... cette vie, là... Enfin... pas cette vie, je veux dire... cette impression d'être en voyage, quoi. De vivre à l'hôtel, quoi. On peut pas continuer comme ça tout le temps, non? C'est-à-dire, je me demande jusqu'à quand on va continuer? Jusqu'à quand on peut continuer? Franchement, t'en penses quoi, toi? Je me suis dit, ah, ça y est, ça a commencé. Fallait s'y attendre. On a un peu regardé la manif, et puis on est rentré tout de suite à l'hôtel. Bien, et maintenant nous allons brièvement évoquer la manifestation. Senso shiranai bokura wa sozatta. Yasui et moi, on est copines. Et on discutait toutes les deux en défilant. En fait, pour vous expliquer, la rangée était très large, à peu près comme ça. Et Yasui et moi, elle c'est Yasui, on était sur les côtés, là où il n'y a pas trop de tension, mais en même temps on défilait quand même avec la manif. Donc nous on était là. On était tellement excités, ça faisait penser à une guerre ça aussi. Parce qu'il y a eu un nouveau massacre en Israël. C'était des photos d'enfants avec la figure en bouillie, c'était vraiment atroce. Des mégaphones et ils criaient bien fort pour que tout le monde entende. Écoutez tous, vous les petits enfants sages, il y a des petits Palestiniens de votre âge à qui il arrive ça. En Chine, il y a une épidémie de grippe aviaire, le SARS ou je ne sais quoi. Et en plus, d'ici quelques dizaines d'années, sur Terre, il n'y aura plus de pétrole. Et si je réfléchis, en un sens, moi, je devrais être encore vivante à cette époque. Alors, pour plein de raisons, moi, je me dis, la Terre, ça ne le fait plus. Terminé. Mars, c'est vraiment mieux. Ouais, elle a un blog sur Internet. Aujourd'hui, c'était un jour important dans ma vie. Une journée décisive. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partir pour Mars. Il y a des moments où je suis complètement habitée par la sensation qu'il n'y a que lorsque je suis seule que je suis vraiment bien. En état d'apesanteur. Et j'ai l'impression que si j'ouvre la porte, ça va faire entrer l'air d'au-delà de l'atmosphère terrestre. Et si j'ouvre les rideaux, je vais voir un paysage spatial, ouais. C'est l'impression que ça me fait. Je me sens vraiment super bien. Et... quelqu'un qui avait vu Azuma le lendemain du concert au Live House. Cette personne, c'était un collègue de travail d'Azuma.
Il s'agissait d'un petit job en intérim. C'est de lui qu'on va parler maintenant. Suzuki. Mais, enfin, quand tu dis parler de lui... Bien extraordinaire à raconter. Mais avant ça, tu crois que on va faire une petite pause, genre 5 minutes, quoi? Mais bon, à la base, Azuma, c'est quelqu'un qui a beaucoup de temps libre. Alors, il est venu un moment écouter l'histoire de Minobe qui lui a raconté ses exploits sexuels de 4 nuits et 5 jours à Shibuya. Et donc, c'est ça qu'on va vous raconter à notre tour. C'est là qu'on s'est décidé. C'était le bon moment. Niveau fric, on était limite. Alors, on s'est décidé pour 4 nuits et 5 jours. Et à ce moment-là, on avait déjà passé 2 nuits et c'était le 3e jour. Alors, on s'est dit, encore 2 nuits. Ça nous amène à après-demain. Après-demain, on se barre. On rentre chacun chez soi. La guerre sera peut-être finie à ce moment-là. Ils se sont dit, bon, bah comme ça, c'est réglé. Et ils ont encore marché jusqu'à la gare. Et là, il y en a un des deux qui a dit, moi, je prends la ligne Yamanote. Et l'autre, bah moi, c'est la Toyoko. Alors là-dessus, ils se sont dit, bon, bah... Salut. Et ils se sont séparés. Après, elle a pas pris le train tout de suite. Elle avait envie de rester encore un peu à Shibuya. Comme pour faire une petite balade, quoi. Et pendant ce temps-là, elle se disait... C'est 5 jours. Shibuya. Ah, pourtant, je connais bien le quartier, hein, mais c'était... C'était comme un quartier inconnu. Ah oui, vraiment différent d'habitude. Mince, il est en train de chier. En fait, c'était un SDF. Et alors, moi... Non, non, pas moi, mais la fille, là, Yuki, elle a fait et le SDF a fait Il a regardé vers elle, leurs yeux se sont croisés, tous les deux ils ont fait et il s'est barré en courant. Ce bonhomme-là, je l'ai regardé pendant quelques secondes comme si c'était un animal alors que c'était un être humain. J'ai regardé un être humain pensant que c'était un animal. C'est ça qui est pas croyable. D'ailleurs, j'y crois pas. J'y crois pas.